Arnel Rémy, avocat au barreau de province, puis porte-parole du collectif des avocats pour la défense des droits de l'homme CADO. Alors nous organisons cette conférence, c'est parce que nous estimons nécessaire, en tant qu'avocat et avocat du sieur Orléans Guverson, qui s'est bouchon, qui est entré bouchon, nous devons pour ton démenti formel à allégation, dénonciation calomnieuse que le ministre de la Justice en fait sous policière. Alors, nous-mêmes, comme avocats, nous nous sommes insurgés contre ces sorties fracassantes parce que nous estimons que le ministre est en train de violer les droits fondamentaux de la personne humaine. Le ministre est en train de violer les libertés fondamentales. Alors, on va passer dans les Guverson moment pour parler. Et après, le film parler, moi-même, ma position juridique et qui stratégie nous définit pour faire que les policiers, qui sont dans les Guverson, jeune justice. Merci. Je salue la principale écoutée télévisée. Je dis nous merci. Dans le moment où on a vu ça, nous avons placé pour que nous venions couvrir la conférence de presse. Moi, c'est Orléans Guverson qui vient sous notre bouchon. Je fais partie de la 24e promotion. Photo ça, nous avons circulé sur les réseaux sociaux. Ministre Justice. Ministre Justice, injustice pays, il fait passer comme terroriste, comme voyou, comme cocorate, comme imbécile, comme membre 509 fantômes. Moi, pas moun ça, je ne pas jamais ça. Et on démenti formel avec. Parce que les gens qui ont moins travail trop dur. Pour que les gens qui ça. Dans le moment, photo ça arrive par imbécile qui porte le balien, voyou qui porte le balien, terroriste qui porte le balien, c'est après l'État pays qui finit de reconnaître. Syndicat en dans PNH. Membre comité syndicat, plus passé 200 policiers qui, tout partout dans 10 départements, te formé un groupe WhatsApp pour que vous te dit objectif groupe ça, c'est pour vous bail bilan travail, membre comité SPNH. Il n'y a pas de jambes question. C'était un groupe qui était là pour t'aller tirer sur le cortège président. Il n'y a pas de groupe qui était là pour t'aller craser, briser. Comme soi-disant dit, Jean-Ministre de Justice a dit là, 609 fantômes. Et m'a dit, monsieur, après quelques mois, moi, je fais partie du groupe Mounsa. M'a dit, ministre de Justice, de la Chambre, en tant que ministre de Justice. Parce que, si vous avez tout le bagage dans le monde, vous avez un groupe qui vous qualifie comme terroriste, à terroriser un peuple, ou tabou, à louer qui est qui en bas à goulou. Moi-même, je n'ai jamais renoncé comme policier syndiqué parce que misé à 10 dans des à 19 000 gouttes, l'offre paye 10 000 gouttes. Pour payer le sol, mais 9 000 gouttes la donne pour payer les petites manger, la donne pour payer l'école, la donne pour voir madame l'hôpital, la donne pour payer manger, la donne pour voir pour même prendre soin de tête pendant le travail. Moi-même, m'a dit et m'a dit les âmes l'état ban moi, bah jamais faire l'autre travail. Je ne vais pas aller pour le travail. Maman qui sont machin barrette, qui fait ville, plus passé 30 années, en bas quoi, Boussal, monter en bas,
statue madame Koulou pour éduquer nous. Eh bien, il ne connaît pas si c'est terrorisme qui t'a formé. Il ne connaît pas si c'est voyou qui t'a formé. Il ne connaît pas si c'est Mounsayo qui t'a formé. Je dis, ministre, justice pays. Injustice pays. On connaît justice pays. À bam. Justice à elle. Parce que Mounsa, les personnes dans la famille, ça. Il finit avec là. Il finit avec là. Tant que goudou goudou. Même si je n'ai quitté PNH en boulot. Comme je disais, les gens sont là. Je n'ai pas côté de travail. Parce que c'est un terroriste. Je m'a dit. Moi-même, je n'ai jamais suspendu. Il a envoyé. Pour vivre ma sacrifié, les mourir 15,000 dollars, il y a madame Mouyon. Les vins prêter à gauche, à droite, pour l'enterrer. S'il pas, il y a une femme, il pas de nuit. Parce que faut être accouché avec eux. Je toujours relancé. Moi-même, l'homme qu'on a la manifestation, je ne vais pas. Parce que ça m'a fait à l'innoble. Je ne vais pas kidnapper, je voler. Comme il y a moins dans mon état. Parce que moi-même, je ne peux pas servir mon pays. Pour ne pas manger. Pour ne pas aller à l'hôpital. Pour petit, je ne peux pas aller à l'école. Pour femme, je ne peux pas prendre soin. Si moi, je suis malade, je ne peux pas mener à l'hôpital. Parce que à qui moi, à 9,000 gouttes, je viens payer 2,000 dollars seul là. Une injustice. Moi-même, on est justice pays, ma bonne justice ça. Parce que nous nous prenons là, nous nous disons, nous ne pouvons pas. Parce que nous sommes tout en bas. Sorti tout en bas pour nous voir. Pour nous travailler. Pour madame ça. A ti barret non mais là. Pour nous dire, pour finir la ville. Dans le jour où nous avons là, on est. Et ma bonne menti. Bébé. Et puis il mourit parce que il tension prend. Ma porte cadavre là-bas devant le ministère de la justice. Ma porte cadavre là-bas. Ma porte cadavre là-bas. Depuis il mourit parce qu'elle bat jamais de travail pour ça. Parce qu'elle était toujours après nous. Vive avec ça, je vous dis qu'à manger. Je dis bon Dieu merci. 2,000 bacs à manger. Je me couche. Je me dis que c'est un policier. Mon état à tête. Man. Je fais ça, lui. Parce que je ne bague pas, Mais je dis, au public, à travers les réseaux sociaux, comme moi, le ministère de la Justice, il y a un cobre dans le pour enquête, ou pas mener une enquête, pour qu'on qui est-ce qui est le mot. Mais je dis, je prends mon public comme terroriste, public comme voyou, comme cocorat, comme délégant. Comme même 609. Méchant pile. Même connaît. Justice pays, ma bonne justice. Vous êtes débattu pour même 609? Non. Non. Moi, c'est policier syndiqué parce que bagarre a 10 dans vous dames. Parce que les. Ou fin paye 10 000 gouttes sol, 9 000 gouttes dans mon bon pour payer sol là. Pour payer, manger avec, pour bailler caille manger, pour même, gain jour pour aller, c'est policier dans le bac, on va dire, achetons manger pour vous. Achetons manger pour vous. Ou pas qu'à attribuer avec nous, nous disons. Si c'est mini justice, oui, les nègres dans la rue, à contre-carré, pour qui est-ce qu'un bac à goulant, mais voir où là, imbécile ou moi. Pas qu'à prendre photo, monde qui voulait, la vie a changé. Nous jeunes garçons, nous professionnels, grâce à Dieu, l'État il s'est formé. Même quand on a dit le policier dans cette place, il n'y a pas fait pour. Même moi-même, machin, petite soirée moi, petite machine barrette moi, je ne vais pas décevoir. Nous sommes pères de famille.
Oui, malgré l'envoi dans le monde d'état pays pour la vie changer. Parce que malgré l'envoi. Nous, nos situations difficiles, côté que système judiciaire, appareil judiciaire, il y a genou. Côté tribunal, pas fonctionné. Côté juge, en grève, ce que le cadre appuie. Nous estimons opportun et important pour nous organiser une conférence de presse parce que on ne peut accepter qu'un ministre de la Justice, un homme d'État, a fait des déclarations à la porte-pièce à l'encontre de jeunes citoyens, de jeunes haïtiens. Le ministre fait ça, il a terrassé la vie de ce jeune homme. Il finit la vie. Jean Dab dit à l'heure, un citoyen au Royaume-Uni, voyez photo à tout un type qui dit ministre, bandit, ministre, terroriste qui va l'attaquer protège. C'est inacceptable. C'est inadmissible que au plus haut sommet de l'État, il y a des gens qui violent la liberté individuelle. Qu'au plus haut sommet de l'État, il y a des gens qui s'en foutent des droits fondamentaux de la personne humaine. Alors, le roi regarde l'article 11, Déclaration universelle des droits de l'homme, dit que aucune personne ne peut être déclarée coupable avant même qu'un jugement n'ait été rendu par un tribunal compétent. Maintenant, l'ordre des ministres de justice, sans aucune forme de procès, sans aucun réquisitoire déformé, sans aucune ordonnance de juridiction, sans aucun rapport de l'IGPNH, maintenant, sans aucun autre rapport généralement quelconque, il décide de publier des photos d'individus, de jeunes citoyens, de policiers, de gens qui baillent la ville à la société haïtienne et pour avoir l'île dans presque 24 heures. C'est comme si vous dites citoyen, vous dites tout jeune haïtien, vous dites regardez, ça crée là, l'école là, c'est finance ça, allez, et nous mettons les bons là quand même pour autorité qui a fini avec. Comment nous-mêmes en tant qu'avocat, comment nous-mêmes comme porte-parole du collectif des avocats pour la défense des droits de l'homme, puissent accepter de tels dérives? Mais monsieur le ministre, vous êtes un ministre, pas n'importe lequel, vous êtes un avocat. Maintenant, il faut comprendre que l'avocat est doué de réserve ou après, au niveau du barreau. Lorsqu'un avocat s'exprime mal, le barreau le convoque. Alors, je pensais que, à travers cette déclaration incendiaire, je pensais que, à travers cette déclaration attentatoire à la liberté individuelle, la société doit réagir. L'opinion nationale et internationale devra réagir. Parce que lorsque l'on constate violation flagrante et répétée des droits fondamentaux de la personne humaine, on se dit qu'on n'est plus dans un état démocratique, mais de préférence dans un état anarchique, dans un état broyeur de liberté individuelle, dans un état où l'on ne respecte pas le droit à la présomption d'innocence. Jamais, ou pas besoin de jouer une mini-justice pays États-Unis a parlé de ça de Mitt Romney. Jamais. Ou pas jamais jouer mini-justice États-Unis a parlé de ça de Joe Biden. Ou pas jamais jouer mini-justice française et français a parlé de Dominique de Villepin comme ça. De Ségolène Royal. De Marine Le Pen. Jamais. Parce que eux, ils respectent ce qu'on appelle le droit à la présomption d'innocence. Maintenant, l'autre jeune garçon comme ça. Ou faire maman ne pas faire sucre, maman fait tension, parce que c'est mon l'autre bord après l'île, cap d'île, n'a pas samedi des pistoles. Maintenant, l'autre, madame n'est pas arrêté contre l'État, parce que toute voisinage que tu as remis des madame, maou sont terroristes. Maintenant, l'autre petit moun ça, l'IPA commence à sentir effet déclaration ça, après 5-10 ans. L'homme si mon cap le vavel cap dit m'tande pas porter terroriste. Maintenant, m'bran moutre côté ministre final vie jeune garçon et citoyen. Pas bon job dans moment là, cap accepter monsieur pour travailler.
Parce que l'heure où elle fait certificat de bonne vie et mœurs, il va dire, vous avez été accusé d'acte de terrorisme, vous n'êtes pas éligible à ce poste. Elle dit, son citoyen a fini là. Avec ses paroles en autorité étatique. Garde qui impact, garde qui répercussion, un homme d'État fait dans la vie de jeune garçon, leur publier photo. Maintenant, nous-mêmes comme ministre, nous-mêmes comme autorité, nous devons décider une enquête. Tant que vous dit, oui, après enquête, vous avez dit, mais qui rapport, mais qui, ça a été PNH, mais qui est fait des régiments, poum! Parlez comme ça. Mais sur quelle base se fondent vos déclarations intempestives? Est-ce que la loi haïtienne reconnaît que son terroriste là, qui ça la loi haïtienne dit que son terroriste? Non mais, dès que vous parlez de terrorisme, c'est crime d'État, oui, c'est crime contre la sûreté intérieure de l'État. C'est prison à vie. Prison à vie. C'est porter la tête à la sûreté intérieure de l'État ou à attaquer le président ou à attaquer le ministre. Mais si on s'y trouve, il dit pourquoi les gens recevront les deux blancs dans la police en pendant 7 ans. Pendant 7 ans, il dit lui-même, si tu as intention d'aller dans la gang, Zanto ou ce qui nous mène, tu dois prendre et chaque samedi, il fait payer le bali. Mais il décide de prendre une ligne. Il décide de mener une vie exemplaire. Mais comme ministre, qui est le garant, qui est le premier protecteur des citoyens, ou pas qu'à supposer avoir fini comme ça. C'est comme vous-même, comme journaliste, on vous décide finalement vous, le labo information que vous fondez même. Comment t'as senti madame, petit, maman. Non, ambassade américaine, vous n'y allez pas, je n'ai pas de visa, non. Quel que soit ambassade, vous n'allez pas, mon ambassade n'a pas de visa, non. Son dossier a été sali. Son dossier n'est plus propre. Il est condamné à souffrir éternellement. Sur ce pays et sur cette terre. Société à vous connaissez les grenier, accusation de déchets, depuis autant de manières, tout est comme ça.